Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 20e mode de la semaine. Et aujourd'hui j'ai un mode qui est totalement différent de l'ancien, enfin de celui de la semaine dernière. J'ai un mode qui est tout petit. J'ai un mode qui est vert. Et j'ai un mode qui est plutôt original et plutôt inutile, oui on peut dire. Il s'agit de l'argot 8x8. Qu'est-ce que c'est que ce petit véhicule qui a une tête de grenouille d'ici, mais bon ça c'est secondaire. Il s'agit d'un petit véhicule, voilà, donc c'est un peu comme un quad ou un truc comme ça. Et franchement, franchement je le trouve trop stylé. Pourquoi? Parce que tout simplement on dirait un véhicule amphibie. Et ben voilà, franchement il est pas mal. Alors ne vous fiez pas au fait qu'il ait des pneus, parce qu'il se comporte vraiment pas comme un véhicule qui a des pneus. Donc voilà, devant, bon, on voit bien qu'il a été modélisé. Enfin, il y a bien un dessin quoi. Donc là, il y a le coffre. Tranquille. Après, je sais pas un peu trop là. Bon, bref. Après, là, il y a le crochet d'attelage. Je crois qu'on peut y accrocher que des petites remorques, donc. Voilà, donc là... On a le chauffeur qui est à droite, d'ailleurs regardez, je sais pas si vous voyez bien, le volant est accroché en fait à une barre, c'est assez original. Donc voilà, écoutez ce que ça fait quand il démarre. Voilà, ça fait le bruit d'un tracteur quoi. Moi j'aurais imaginé un bruit un peu plus, un peu différent quand même, voilà. Donc là, après, et là on va arriver au gros défaut de ce véhicule, j'en vois qu'un mais c'est celui-là. C'est côté conduite, c'est qu'il a, en fait il est très long à démarrer. Si vous voulez accélérer il met du temps, enfin c'est normal, mais à démarrer il est très long. Alors, regardez, je vais vous montrer. À partir du moment où je dirai top, j'appuierai à fond sur ma pédale de frein, vous allez voir la vitesse à laquelle il accélère. Attention, top. Ouais, il a quand même du mal. Regardez, hop, là il s'arrête, et il s'arrête de suite, il roule pas un peu en roue libre. Regardez, voilà, il commence d'abord à rouler doucement, et puis ça accélère petit à petit. Il roule d'abord très doucement. Alors pour peu qu'on tourne en même temps, là c'est juste l'enfer. Il démarre en fait presque jamais. Voilà. Donc après, donc il fait pas de traces, les pneus ne tournent pas, c'est pour ça qu'on... Franchement, il fonctionne un peu comme un véhicule à chenille, quoi. Voilà. Mais après sinon il tourne très très bien, il drifte bien aussi. Voilà. Et il est plutôt maniable. C'est correct, voilà. C'est juste qu'il faut pas s'arrêter n'importe quand. Parce que sinon vous allez galérer à repartir. Voilà. Donc si vous appréciez le mode, faites-le moi savoir dans les commentaires. Aimez, partagez, commentez, abonnez-vous. Bref, le lien de ce mode sera dans la description. Et je vous dis ciao tout le monde.